Encore un message d'elle, elle veut qu'on se retrouve où encore? À la statue de la musique, ok, bah go. Je lui ai envoyé un message, je pense pas qu'elle va tarder. Oui. Ok. Oh bah elle est là. Coucou les filles! Coucou Mathilde! Ça va? Du coup, désolée d'être en retard parce qu'en fait, mon prof, il est relou. Mais je vous dis pas, il a voulu me voir après les cours alors que normalement, c'est interdit. Bref. Non, mais c'est pas grave. Hein. Mais je vous ai réunis parce que c'est grave que je vous parle d'un truc de ouf. Hey, les gars, venez! Hey les gars, vous avez pas marre de jeu? Ça vous dit qu'on joue à Star Wars? Ouais, vas-y. Il faut des bâtons. Allez, on va tous en chercher un. Ouais, vas-y. Ok. Oh, un bâton. Il y a quelque chose qui se trame par ici. Je devrais bien tendre l'oreille. Du coup, on va faire une grande teuf sans les filles qui se la pètent trop au collège et sans les garçons. Grave, avec leur claquage chaussettes. Ah ouais. Ça, c'est maman. Bon, comment on s'organise? Mais on peut le faire chez moi. Mais quand? Samedi soir. Ouais, okay. Moi ça me va. Moi je suis libre. J'ai hâte. Ouais, génial. Bon, bah, samedi les filles. À samedi. Oh les gars, vous êtes où? On est là. J'ai un truc à vous dire de ouf. Vous voyez les filles, elles ont organisé une soirée samedi soir. Ça vous dit qu'on s'incruste? Ouais. Vas-y. Mais c'est chez qui? C'est chez Claudia. C'est trop cool là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un jeu. Je pense que je vais l'emmener pour samedi. Ouais. Ouais, mes potes, j'ai trouvé un super jeu là. Je pense que je vais l'emmener pour samedi. Ouais, ok, pas de soucis. Ok. Bon, allez, ciao. Attends, mais on n'a pas invité Louise à la soirée. Je vais l'appeler. Oh. Allô Louise, tout va bien? Ouais, et toi? Oui, ça va. Je voulais dire, on a organisé une soirée samedi soir avec les filles. Rien qu'entre nous, ça te dit de venir? C'est chez Claudia. Ouais, c'est une super idée. Quoi, c'est samedi soir? Ah cool, je suis dispo en plus. Ah super, alors on se dit à samedi. Ok, à samedi Naomi. Ils vont arriver à quelle heure? J'ai hâte, c'est pareil. Ça va? Ça va? Ça va? Et vous savez qu'il y a Louise qui vient?
Ah oui, c'est Nani, elle nous a dit. Oui, il est trop cool. Ouais. Mais qui c'est qui se charge de la musique? Peut-être Louise. Peut-être. On m'a dit qu'elle adorait la musique. Oui. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Moi aussi. Bah, ça se trouve, il est bien le jeu. Venez, on y joue. Bon, d'accord. Ah, super, les filles, du coup, on se met où pour jouer? Allez, bon, bah, on va se serrer un petit peu là. Allez, on y joue? Allez, c'est parti! Double D et la partie ne fait que commencer. Attention, ce jeu peut être dangereux. N'importe quoi. Pourquoi ça serait dangereux? Ouais. Juste la gueule. C'est un jeu. Bon, bah, on va essayer. Hein. Ouais. Je suis Mais alors, qu'est-ce qui se passe alors? Bah moi je sais pas, moi à toi Mathilde. Thank you.
Vous êtes là. Oh, on est où? Je sais pas du tout. Ça va, les filles, rien de cassé? Ben, un peu mal à la tête, mais ça va. Bon, faudrait qu'on trouve les autres maintenant. Oui. Allez, bon, c'est parti. Bon, rien de cassé, c'est quand même bizarre qu'on ait atterri ici, hein. Ouais. Ouais. Mais en même temps, si t'avais pas pris le jeu là, on n'en serait pas là. C'est quand même bizarre que j'ai trouvé dans un buisson là. Comment ça dans un buisson? Je croyais que tu l'avais acheté moi. Bah, on pensait que ça pouvait être rigolo. Salut Louise. Bon, bref, c'est pas grave, on va chercher les autres. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on est? Dans le jeu! Quoi? Bon, écoute-moi bien, Lucas. Déjà que tu t'es incrusté, alors maintenant tu vas vite nous trouver une solution. Bah, je sais pas, moi, il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui nous montre la sortie. Ouais. Bon, suivez-moi. C'est bizarre qu'il ne parle pas à lui. Ouais. Hey, monsieur, nous sommes enfermés dans le jeu. Vous n'avez pas une solution pour nous? Eh oh! Eh oh! Monsieur? Oh. Monsieur! Vous avez fait double D. Oui, on a fait double D. Quelle est la solution? Il va falloir répondre à l'énigme. Mais c'est quoi ton énigme? Je vais le dire à l'oreille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il m'a dit « Estoy en la cabeza de 26 soldados y sin mi Paris sería pris. » Quoi? Mais on comprend pas la langue! Mais heureusement que je parle la langue. Traduis-nous, traduis-nous. Je suis à la tête de 26 soldats. Sans moi, Paris serait pris. Je suis à la tête de 26 soldats. Sans moi, Paris serait pris. Je propose qu'on se concerte. Oui. Allons. Ok. Nous nous sommes concertés et nous pensons que c'est la lettre A. C'est la bonne réponse! Ouais! Je pense qu'on va rentrer à la maison! Ah!
C'est trop content qu'on ait pu résoudre l'énigme. Ouais. Les gars, on n'aurait pas oublié quelqu'un. Dorian! Faut qu'on fasse quelque chose. On y retourne. Allez.